premier solo, vous pouvez télécharger la tablature. On va jouer avec les doigts et non pas le médiator, comme fait donc Mark Knopfler. Je ne vais pas dire où sont les cases puisque c'est écrit sur la tablature. Mais si jamais il y a des choses particulières avec la main droite. Donc je vais le jouer lentement. Avec l'index et le majeur. Donc j'ai. Harmonique avec le pouce. Je continue avec le pouce. Pouce IM. Et là, j'ai l'index. Donc ça fait. Troisième doigt. Ce que je fais maintenant, je fais un barré. Et j'utilise l'annulaire, le majeur, l'index et le pouce. Donc ça fait. Ensuite, dixième case, toujours avec IM. Pouce, I pouce, N I pouce, le pouce aussi. Je rejoue ça. Donc j'ai joué avec le pouce sur la troisième corde. Ensuite, je passe le barré ici, je fais avec index, majeur, IM encore. Là, je joue pouce I, M, et après IM. Même chose, pouce IM, pouce IM rapide, index. Je vais le jouer lentement. Donc en fait, j'alterne tout le temps. C'est juste que parfois, je fais attention à utiliser le pouce. On recommence. Le deuxième solo, là aussi, regardez la tablature, c'est donc la suite, j'ai mis que le premier solo. Je commence donc comme avant. Je vais pas dire là aussi les cases puisque vous pouvez regarder sur la tablature.
Je donne seulement quand c'est un peu particulier. Avec le premier et troisième doigt. Maintenant, c'est pouce et index. Et le pouce. On refait ça. Là, je joue avec le pouce index majeur. Et je bloque un peu ces cordes. Ici, ça fait... Donc c'est pouce IM, lié, I, M, I. Je rejoue ça. Et maintenant, je vais jouer, quand je vais de 7 à 9, avec le pouce. Et là, j'ai l'index. Pouce, IM sur la première et la deuxième corde. Donc c'est vraiment... Je refais ce passage, donc. Là, on a ce passage ici. Là, en fait, j'utilise aussi pouce IM. Je joue avec le pouce, IM, ensuite l'index et un lié, pouce, index, pouce et pouce. Donc ce que je viens de faire, et ensuite il me reste les quatre dernières notes, pouce, lié, pouce, index et pouce sur la corde 3. Donc pratiquez bien. Et ensuite. Et finalement. Et après, vous les mettez ensemble. Ensuite, on a le premier doigt sur le 10, et là j'ai des croix. Je vais faire donc. Celui-là, ce que je fais en fait, je commence avec le majeur, lié, pouce et index. Donc ça fait M, lié, pouce, I. Okay, il faut le faire assez lentement au départ pour que ça soit vraiment clair. Toutes les notes. Ensuite, c'est la même chose, mais je rajoute le premier doigt. Le deuxième doigt sur la 11e. Donc ça fait... Et là, je vais à la 15e et je fais la même chose. Et ça sera deux mesures. Ensuite, je recommence. Pouce I. Donc les deux dernières notes, c'est... Et là, je recommence la même chose. Pratiquez vraiment qu'on entende 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et c'est toujours donc M, pouce I. Pour que ce soit vraiment précis. Donc là, on arrive à la 15e. Donc j'alterne toujours I et M. Vous pouvez toujours jouer aussi avec l'index, mais je suis habitué à alterner. Et là, ça finit avec 12-15, 13-15. Et le 15. Et donc je vais être toujours avec l'index et le pouce. Et là, c'est pouce IM. Je n'ai pas expliqué vraiment où on joue parce que vous pouvez le regarder donc la tablature, mais c'est très important en fait certains endroits où on va vraiment alterner avec le pouce et les autres doigts.
Par exemple, celui-là, c'est vraiment important. Ça devient beaucoup plus facile. Et ça aussi, si je fais ça, parce que je fais ça avec la main droite. Donc ça, c'est vraiment des points très très importants. Et surtout celui-là aussi, quand on fait, parce qu'on peut vraiment avoir beaucoup plus de vitesse en utilisant justement Poussième.